Et il est important de bien comprendre que ce n'est pas la marque du pneu qui est en cause. C'est d'une façon plus générale le problème du pneu Concorde. Un enchaînement de faits d'une rapidité extraordinaire va conduire à l'accident. En effet, en moins de 5 secondes de roulement, on trouve d'abord sur la piste, sur 150 mètres environ, des éléments du déflecteur d'eau du train gauche, une lamelle en alliage léger n'appartenant pas à Concorde. Un peu plus loin, environ 60 mètres, les premières traces la destruction d'un pneu, événement simple, dont on ne peut affirmer qu'il ne peut plus se reproduire, a provoqué la perte de l'avion et la mort de 113 personnes. In midday, at midday, a partial runway inspection was performed on the western part of the runway, and then this fireman exercise was performed on both runways, 26 left and 26 right. To my knowledge, there was no other inspection of the runway to this day. Donc je ne crois pas qu'il faille chercher de ce côté-là la cause essentielle. Il ne m'appartient pas de me prononcer sur ce point. Le bureau enquête accident lui-même, comme vous venez de l'entendre lors de sa conférence de presse, par la bouche de son responsable principal, dit bien que au petit matin, à midi, entre 14h30 et 15h, ce jour du 25 juillet, le jour de l'accident, plusieurs types de professionnels d'aéroports de Paris sont intervenus.